Mes amis, vous causez ça difficile pour m'expliquer. Et dans le moment même, n'a pas à là, si vous avez un numéro Magali habitant, font tirer l'île. Parce que nouvelle ça, madame ça, qui tellement un gros problème qui a privé dans le moment même, n'a pas à là, si vous n'avez pas de nouvelle là, et même abdi ou, vous savonnez madame ça avec bâton dans la coupe Pétionville pendant l'accompagné Mounio dans la manifestation. Et dans le moment même, n'a pas à pas caché ta droite parce que vous avez un bon campagne avec un coup de couteau. Bien on tue bouteille, plusieurs militants lagent dans Babunda, madame. Nan. Information pour le besoin qu'on est. Mais si bonsoir, Babunda, madame, ça va être la compliqué. Je vais l'expliquer dès qu'il prévient, dès qu'il manigance, côté Magali habitant, tu as commencé à faire un bon petit palais. Mesdames, messieurs, dans ce moment, ça, mais qui ça, Magali habitant, t'as préclé? Gardez pour eux. Et par la suite, nous avons une image ça ou à regarder là. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes qui j'en ai est-ce qu'on a kembe. Image ça montre là, son image qui triste. Madame Magali habitant qui sont ancienne personnalité qui a en pile capacité, qui gagne de mouvement que elle t'a fait, elle t'a dirigé SNGRS que lui-même, c'est lui-même qui était patronne boîte ça ou bien directrice boîte ça, d'après ça que madame a expliqué. Plusieurs individus sortis dans plusieurs zones. Madame de Cap dirige, mesdames, messieurs, boîte ça dans l'État qui pratiquement c'est un monde qui a en pile importance. Mais femme de où, il n'est pas aussi facile. Bagay ça compliqué pour messieurs, yo, mesdames, messieurs. Madame Magali habitant explique un paquet de détails. Elle dit en pile bagay qui pratiquement pral fait qu'on fait mal. Qui ça bagay la teye? Jodi en ce 29 septembre 2022. Espace ça a été réservé ou bien journée ça. Comme une journée tout à fait spéciale pour divers militants, t'as essayé de dire qui ça, comment y'a montré, ça y'a pas remis et ça y'a souhaité changer. Eh bien, madame, monsieur, qui ça crivé, qui ça bagalate montré, qui ça bagalate yé. Il était très bonheur le matin, je souhaite garder là, madame Magali habitant, te décidé à la porter tête li dans la série de manifestations ou mouvements ça que t'as fait dans la rue. Pas oublier, nous tous connaissons déjà. Madame ça a été dans la tête SMGS sous Jovenel Moïse. En pile, moun te déjà pas satisfait de travail que madame n'a pas fourni. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas demandé de causer. C'est moi qui vais chercher causer à m'poter le banou. Qui ça va galater? Madame Magali habitant débarqué en bagafou aéroport. Bien bonnet avec plusieurs militants qui sorti tout droit dans Cité Soleil. Parmi eux, m'ka parler de James, m'ka parler de Younan Element toujours avec Anel Belizer, qui pratiquement Younan Element avec maillot jaune avec lui. Qui ça t'est passé? Pour qui ça détaille la cause ça? Divers militants t'est parlé. Monsieur Obabie, yo juré, yo nervé, yo dit causé, yo dit un paquet de bagay que pas supposé dit comme ça. Pour qui ça me dit pas supposé dit, yo t'es supposé croper. Mais là nous fin faire action ça et puis nous paraître dans les médias.
madame nan ka gen moyen pour le retracer nous. Est-ce que chef yo pa pral pran et ça comme exemple, là nous nan pour cela, n'a fait ça nous voulait faire de faire pas faire rien et puis après ça penser n'ka fin passer peuple là nan bêtise, descend en bas dans la rue et puis vinn faire mouvement pour n'ka retourner dans poste nous encore. Mesdames messieurs, population haïtienne nan dit, yo sementé 7 fois 77 fois. Personne moun pap vin passer sur yo même pour yo monter au sous pouvoir encore après gros bout met André Michel et ben goutte chat ça qui pratiquement koun ya te prend peuple la comme et monnaie de change pour te accéder au pouvoir. Mesdames messieurs, qui ça passé, qui ça Magali habitant reprocher moun yo et pour qui ça Magali a fait gros choc comme ça et pour qui ça Magali a fait gros zin comme ça. Mesdames mademoiselles et messieurs, c'était avec un pile intérêt que monsieur Damio t'a monté à Pétionville. Mais femme d'où ça? Les rivières dans Pétionville là, t'es gagné un pile gros mouvement que t'as fait. Et t'es gagné un pile dans militaire que t'es déjà senti pas satisfait par rapport à Jean-Madame dans ces derniers temps, a venir faire pause, ramasser mouvement peuple à faire, ou venir faire mouvement, ou venir faire l'obéille. Eh bien qui ça t'est arrivé? Magali habitant bien bonheur. Li débarqué en zo plein dingue, li ap mouté. Fòm di nou ça, slogan dans la rien c'était Bwakale. Tout monde ap mouté en les ça. Et ben Magali habitant rivé dans Pétionville, douvan même business ça, entreprise ou bien m'ta di cabinet M. Jean-Renal Senatus, ancien sénateur de la République là, et bien pratiquement zo kiki devant bureau ça, divers militants, mais c'est fâché, yo bondé, yo campé en zo plein dingue, en gros Vincent, en roulé de bord, c'est pas des patasuel, madame habitant ramassé dans bon figuil, bagaille la pas campé la madame monsieur, moun yo chercher côté quelques morceaux bouteille a fait l'obeille, yo fouillé sa droite mesdames messieurs dans pour Magali habitant, yo rachon parti dans lui-même, yo blessé le bien blessé et bagaille ça madame nan tombé li relevé. M'a expliqué nous ça, c'est avec un peu de tristesse m'a dit ça pour madame Magali puisque c'est une femme, yo gen pitié pour lui. M'a posé tête mes questions, est-ce que si c'était maître André Michel qui était dans la rue ça, qui ça t'a pral rivé? Est-ce que si c'était madame monsieur Nedel Kassi qui t'a fait pause vin dans la rue, qui ça t'a pral passer? Est-ce que si madame monsieur Ricapier t'a fait pause descendre dans mitan la rue là, qui ça pral rivé? T'assemblé peuple haïtien campé en zo plein dingue, li t'assemblé le campé en cal citron, quel que soit jendeg la peau de tête li vini, depuis ou fait partie ancienne classe politique là qui t'a crasé brisé ou vin kounya fait pause ou a vin retourner là bon côté yo, yo pa nan grien dan avou ni nan l'amour pomme ak figak ou même. Mesdames mademoiselles et messieurs, Magali habitant li gen gros problème, li gen gros difficulté dans mon moment n'a parlé là. Pour qui ça en pile monde croit que Magali habitant t'a supposé changer. Mais qui ça détail là? Magali habitant expliquait mesdames messieurs, il t'a sorti exactement elle arrivé devant Flipo, en plus passé 10 jeunes garçons qui débarquaient en zo plein dingue qui vini pour faire mouvement. Mais faut me dire où il était sorti selon information que il communiquait nous. Il était sorti en difficulté. Il était sorti que il y a gros problème parce que l'el gade le web modèle propos ou bien ensemble de propos que nex a essayé relancer. Eh bien mesdames messieurs, il te voulait faire paraître que ou bien il te voulait faire paraître, il était sorti qu'elle menaçait. Et madame habitant expliqué c'est parce que en pile dans monde il y a un problème à coup l'épaule, mais pourtant les haïtiens qui paraît quoi qu'elles sont rouges. Eh bien c'est ça que fait 10 jeunes garçons ça au sorti. C'est lié avec ces plusieurs militants qui pratiquement c'est un militant qui pro pouvoir. Donc mesdames messieurs, bagala mélange. Faut me dire nous et il y a certaines personnalités qui croient que bagaille ça c'est bagaille esclave qu'a fait puisque croit que il y a des cas fait l'autre genre. Moi-même pas pour que yo batte madame dans genre fait là. Mais moi pour que monsieur dame yo prend yon leçon. Yo bon leçon côté que yo gen bagaille que mesdames messieurs capable corriger. Yo prend leçon parce que gen des bagaille qui t'a droué au fait changer la caille. Mais m'a dit m'pas sûr que ça pral suffit pour nèg yo changer puisque yo ret croit que gen des bagaille qui pas jamais changer la caille qui inchangeable. De fait, m'a dit nous que la politique en Haïti certaines fois son bagaille en pile nèg yo ret croit que le dynamique
Mais malheureusement, à certains moments, Bagal a toujours changé de forme. Il a toujours gagné une autre tendance. Il a toujours gagné une différence qui t'a supposé porter. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Madame Magali Habitant, malheureusement, qui doit reposer la calier. Ouais, on médecin par rapport à tout bout de ça qu'elle prend. Mais ferme confiance, m'a dit nous ça. L'image politiquement n'est pas mauvaise. Lui montrer qu'effectivement, à chaque fois, gagner des dirigeants qui viennent passer, qui paraissent mettre note, il faut que nous questionnions. Et quel que soit moyen de questionner nous, je garantis que ce n'est pas trop difficile de passer ça. Il y a tout, comme dit nous, il y a également un fondement qui, l'autre bagaille qui a dit, c'est que reflète tout en image côté que nous sommes arrivés dans cette situation-là, il n'y a pas fait personne de confiance par rapport à la situation qui a vécu, par rapport à gens qui ont gagné de difficultés. Personne, monde pas monde qui a fait confiance parce que la République d'Haïti bagala difficile pour lui. Donc, question pénurie de carburant, question pas gain gaz, question pas qu'à manger, question misère, question la difficulté en majorité dans le pays d'Haïti. Donc, en pile, monde croit que c'est un bagage qui est tout à fait important, c'est un bagage que n'a pas besoin pour nous changer par rapport à l'idée. Mais il faut me dire, donc, n'importe monde pas capable. Et prend ça comme monnaie ou bien n'importe quel monde prend ça comme intérêt. Donc, mesdames, messieurs, Magali Habitant, malheureusement, elle passe un mauvais moment et fait me confiance à ce qu'elle n'a pas bien dormi parce que différentes patas ou elle, c'est plus mauvaise expérience qu'elle est capable de faire. Cette troisième sortie de l'émission Matin Débat sur Radio Éclair. Nous connaissons une semaine ça et vu que. C'est une semaine qui commence avec trois journées de grève. Je dis à cette troisième journée de grève là. Et les deux premières journées ont été deux journées réussies pour les syndicats de transport en Haïti. Mais je dis après que l'antigen, je ne vais pas dire que la grève n'a pas réussi, non, mais vous venez plus d'activité. Vous venez plus de machines, vous venez plus de machines, donc pratiquement donc, il y a pas très ça. Dans la rue, et il y a pas qui ouvre. Il y a pas qui ouvre. Donc, avant, il n'y a pas très ça, il n'y a pas très correct. Ça. Je dis à il n'y a pas qui ouvre. Correct. De ça, vous dites que vous avez ici. Vous avez besoin de banque là, allez soudainement. Correct. Et il y a une banque qui est ouverte, Unibank, dans Delma là. Et surtout, je vois, il y a une autre Unibank qui est ouverte. Très bien. Alors, même si ça, pour que ça ne me parle pas, c'était l'autre banque, parce que moi-même, comme reporter, c'est ça, ouais. Ça m'oué, m'oué. Donc, si vous avez besoin de banque dans ce moment là, vous pouvez descendre sous Delma là. Mm-hmm. OK, sous Delma là, oui. Delma et après Delma 52A, OK, on va prendre après Delma 48 et 52, on va prendre une banque qui ouvre. Très bien. Et l'autre maintenant, reste à savoir c'est pour qui le. C'est pour qui le. D'accord. Il y a peut-être d'autres transferts qui ouvrent tout. Mm-hmm. OK. Très bien. Chose là. Donc ça veut dire que la maquette qui ouvre. Correct. Donc ça veut dire que peuple haïtien, il va pas prendre 3, il va pas prendre 3 jours, il va pas prendre frappe pendant 3 jours pendant 4 jours. Moi, il y a peut-être pas. Oui, c'est pas personnellement gagner de l'eau tout. Ouais, de l'eau. Ok, donc peuple haïtien va prendre un frappe comme si pendant 3 jours. Surtout okay. Les petites bourses. Correct. Les petites bourses, ça dit malheureux, yo. Ça en demi, j'ai dit pas qu'elle en fait là. Vraiment, il n'y a pas qu'elle en fait. Correct. Mais nous ne sommes pas capables de vrai, nous allons Québec. Correct. Même pas bon moment sur le coulo. C'est qu'on y a monde pas qu'elle en fait. C'est qu'on y a. Ok. Donc maintenant, c'est 2 jours. Ou qu'elle font 2 jours là, au moins ils font sacrifice. Ils font 2 jours, 3 jours. Après ça, il faut lâcher pile. Il faut lâcher pile. Pour la dégager, le ravitailler, après ça, la force pour le camp encore. Mais tout, en tout cas, t'as pas n'importe ça à l'occurrence. Faut qu'au moins une bâche tapée des peuples là, Québec. Et puis nous-mêmes, même, on nous demande comme si on fait grève sous Evans Paul Caplum. Et là, on était fin calé, Evans Paul là. Bien. Et gros équipe, cap fait grève. Et pour prisonnier là, tout ça, yo. Bien. Soit qu'on est négocié, l'occurrence. Chaque fois, elle fait grève là. Mais après, il y a plein de monde à manger. Bien. Il y a plein de monde à manger. Et puis, on est là, il y a tombé dans la grève. Qui ça? Votre nerf est bien plein. Chaque soir, il est déplacé à manger. Et puis, on est là, il couche. Il a fait grève. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça m'a dit, je vais faire allusion avec des gens qui ont dit peuple à mobiliser! Campé de Maïkadou! Campé Red! Et puis, tout à fait à régler. En tout cas. Il y a tout à fait à la caillou, il y a réserve manger, il y a tout bagaille. Et puis, il y a dit peuple à Kébéla! Et puis, bon, en tout cas, situation Jodia et Zahir César, et même si pas une baguette dans la rue, ok, peuple Jodia, ok, il compte salver. Et il prend position, ok, même si pas une barricade,
OK, je dis à peuple a décidé rester la Cali. Ouais. Il décidé la Cali. Et pour deux raisons. D'abord pour l'afficher, deuxième raison c'est pour question gaz. Même si on monde a gagne peut-être un gallon mais deux gallons gaz dans machine, je dis là côté de parler. OK, pas un travail, pas un école, pas un bac beaucoup de parler. Donc il décide de rester la Cali. Et ça qui là comme situation, pas oublier mieux parce que deux ans, l'émission Matin Débat m'a dit le pire va arriver, nous tout dit que demain a pidu, nous toujours dit. Et dans la crise ça pour cette année 2022, depuis l'année a commencé, je me toujours dit que le pire va arriver. Le pire va arriver. En tout cas, ça nous est là, je dis, c'est que comme situation, et le peuple a grandi. Je dis, le peuple haïtien a grandi, c'est pas même pour le peuple, pas même peuple qui connaît longtemps, non. Le peuple haïtien a grandi, il prend le son, il apprend tout. Et je dis, il connaît exactement ça. Je dis, sous descendant à terre dans la rue, madame, monsieur, ou font micro-trottoir. Pas de monde qui peut dire que je regrette que c'est blanc qui prend une décision pour Haïti. Pas de monde à terre, sous descendant, sous béton à terre là, ou poser des questions. Ok? Pas de monde qui peut dire, mon cher Américain, pas de faire nous ça. États-Unis d'Amérique, pas de faire nous ça. Pas de monde, pas de monde. Il y a des gens qui ont posé la question à Théa, qui ont dit qu'ils ne sont pas là aussi, ils ne sont pas venus à l'Aïti. Il a dit que la population qui nous a voulu, mais ils ont contraint pour l'exprimer, les gens qui ont exprimé. Mais je dis, regardez, dans le cadre de pays loc, bon, loc, ça est plus raide que du temps de Jovenel Moïse. Bon, loc, ça est plus raide. Parce que pas de barricade dans la rue, et pour la rue blanche. Donc, son refus total, donc, de diriger qui là, de monde qui a dirigé le pays. Peuple a refusé yo, peuple a resté yo. Son refus total. Moi même clair, on est qui ministre jodi là. OK. Ou c'est ministre. Et puis chaque matin levé, ou go machine officielle, sécurité avant, soit dit madame, mal travail. Comme si ou dit madame mal travail, mal dans ministère, pour faire qui ça? Ou al travail pour qui moun, pour qui peuple? Ou al travail pour qui résultat? Écoutez, madame, monsieur, ça c'est un minimum, oui, ça c'est un minimum, ok? C'est juste un minimum. Parce que ça, c'est si vous êtes moun vraiment, si vous êtes moun en fait réellement. Parce que je dis, donc, son rejet total de la population, il restait en fait le gouvernement qui l'a, il restait moun qui a dirigé PA, je dis là. Et moi, je dis encore, et ma vraie dit, chaque fois que je me dis, docteur Ariane Lemel, fait ça, il est goumable, il était là au pouvoir. Jodi a bien calme, demain matin n'a tourné dans l'oc encore pire. Lui va faire ça, le mettre goumé, blanc pain bossel, OK? La prêter jodi a calme pas en qui retourner. Mais après 3 jours, après une semaine, l'oc pire. Parce que côté bas arrivé là, c'est que peuple haïtien dit non. Peuple haïtien dit non. Et puis madame monsieur, nous connait qui dégâts qui fait dans pays là. Hier soir de 7h du soir, tu gagne manifestation dans Gonaïve, oui. C'était du soir. Manifestation dans Gonaïve. Je dis à vous, ça ne peut pas passer au Cap-Haïtien. Parce que je dis à c'est une nouvelle journée de mobilisation pour le sénateur Maurice Jean-Charles. Vous ne savez pas passer au Cap-Haïtien. Je dis à un monde qui a traversé Tigouave. Tigouave toujours été bloqué avec barricade. Ou toujours pas passer Matissan. Là, mon Saint-Marc, je dis à là. Il y a tout fait là, parce que yo pas qu'à traverser Canaan. Moun se ma kap tout fait. Donc, face à cette situation, qui j'en, on moun kap dit j'en paye à faire kembe, dis-moi qui j'en. Et pour l'homme Gaza, madame, monsieur, c'est pas pour demain matin. D'ailleurs, le député Alfred Antoine, ils font tout ça. Et quand il y a moun qui suspecte ça tout, et bien là, si tout à l'heure, il y a un moun qui est dans gaz. Pour qu'on ait effectivement ce qui est gaz, je dis à madame, monsieur. Donc, non, en stockage. Est-ce que il y a un gaz qui est stocké vrai? Est-ce que le gouvernement a un gaz vrai? Ok? Et il y a des gens qui ont parlé, barbecue, il y a des gens qui croient que comme si c'est joué à jouer avec le gouvernement, comme si le gouvernement a joué avec eux. Par contre, tout le temps des paroles là, et que pas de gaz vraiment, et que le gouvernement a joué avec eux pour être capable de bloquer. Parce qu'il faut quand même trouver un prétexte. Qui Jean, je dis, ok? Même si tu as un gaz. Même si Babekou t'a débloqué, qui pop qui va prendre chance pour qui va prendre chance ouvert pour la vendre gaz avec colère population ça à 560 gouttes dans pompe. La police gagne pile travail pour le faire. En tout cas,
Donc faut que nous assurions que les gens nous tant que nous avons parlé avec M. Damio ici, donc dans les couloirs de la radio éclair. Et puis comme dit, il est découragé. Il m'a dit, je ne vais pas décourager pièce. Ça arrive un moment côté que mon petit géant down. Ok? Mais je ne pas décourager. Et je travaille l'esprit. Ok? Mettez dans une situation que pour ne pas décourager. Je ne pas quitter ma vie vraiment parce que je passe là. Une fois que ça compte, ça compte mon problème. Parce que ça c'est mieux. En fait, moi, c'est mon. Mais je ne pas décourager. Donc c'est qu'un bébé était moun ou hier. Parce que, ou crise qui là, il y a plein de monde que crise a changé. Qui est obligé à faire des bagages qu'il n'y a pas de faire. Qui est obligé à l'entrer, mêler la vie, non, un paquet de vieux bagages qu'il n'y a pas de faire. Qu'il n'y a pas de penser au table, j'aime faire dans la vie. Donc c'est rété ou même. C'est rété ou même. En tout cas, je vous dis encore nous là pour nous garder donc l'actualité, pour nous analyser et pour nous informer tout. Et puis également donc faire des commentaires sur ce qui a passé dans le pays. Je dis à nous charger collègues bas. Nous avons 6 points pour nous faire débat sur aujourd'hui. Donc pour ce mercredi 28 septembre 2022. OK, n'a pas dérapé. Ils ont pas anniversaire avant de déraper. Nous avons salué mon déjà, un peu monde déjà et je dis à son anniversaire et pas oublier Huguette de Riscard qui c'est mon petit témoin. Et Victoria César, qui vit en France. Et puis, anniversaire, et petite fille Thomas Mafia. Ok? Et petite fille Thomas Mafia, et qui a fêté ce jour-là, Elvania Présentieu, qui vit en Orlando. Et puis, groupe politique autrement, il y a plusieurs monde qui ont fêté. Ok? Et le cas de madame Samora Chalmers. Ok, qui a fêté jeudi à là. Et jeudi à tous ces fêtes, Louis Gérald Gilles, l'ancien sénateur de la République, médecin de formation. Et jeudi à tous ces anniversaires, Franz C. Desrosiers. Ok, et jeudi à tous ces fêtes, Fédia L. Jean-Baptiste. Et puis jeudi à ces fêtes, Andral Joseph. Jeudi à ces fêtes, tout Darlene Millien, qui a fêté jeudi à dans le pays d'Haïti. Ok, très bien. Bon, préparez-nous. Donc, si nous continuons, nous avons et faire un petit théâtre, mettre le bon côté où, c'est un petit café. Et on va boire, donc, pour pas déplacer. Donc, surtout, soit regarder Martin Débat donc, sur la chaîne YouTube, nous. Donc, qui c'est Radio Téléclair sur YouTube. Donc, si vous avez une radio, si c'est une radio, assurez-vous, faire un petit manger à vous. Et sous chaise, côté où il y a, donc, côté où il y a dans le bureau. Donc, pour pas déplacer pour connaître ce qui a passé dans le pays. Ok. Avant nous entrer dans le point, et gagner la fameuse liste sollicitée par. Et le représentant permanent de la Chine et aux Nations Unies, et bien, qui commence à faire un pile parler dans le pays d'Haïti. Et parce que l'issa Mbap Bomansi, c'est sous lui que les Nations Unies peuvent statuer pour connaître qui est-ce que le pour marrer, qui est-ce qu'il a bien pour le marrer, qui est-ce qu'il n'a pas bien pour le marrer. Ok? Donc l'issa là, il y a des nègres qui sont dans le pays. Donc Mbap Bomansi, derrière, il a coupé clou côté Oshita. Parce que là, et la Chine demandait pour madame et la lime et de Binu. Alors ça me pas comprendre la question c'est que et représentant permanent la Chine donc aux Nations Unies il dit que peuple haïtien pas faire confiance à madame la lime. Et puis du coup il demandait pour madame la lime communiquer donc aux Nations Unies liste tout bandi avec tout le monde qui jodi a financé bandi. Si déjà on connaît que madame Lalim, peuple haïtien va faire confiance. Elle dit que le paquet crédit en Haïti pour mauvais rapport des bagages comme ça que la baisse au pays pour Jean lui a mené politique donc dans pays. Et puis vous savez même madame Lalim ça a demandé qu'il vous boire une liste. Faut qu'à mettre en tête tout que liste que madame Lalim a bawa tout c'est capable en liste programmée. Ah ouais. Mais comme son liste que pays a tenu, et bien tout pays a tenu liste ça parce que justement je dis un pays a faut nous assurer et pays je dis les bouquets avec les situations ça. OK, qui sont gang qui a semé la terreur, monde qui a financé gang, pays a besoin qu'on ait. Pays a besoin qu'on ait qui est-ce qui a financé gang yo et qui est tout en fait que international là prend pour gang. Parce que gang n'a pas les bagaille pour nous même haïtien et puis il veut dire on l'autre bagaille pour yo. OK, maintenant n'a prétendre faut qu'on dise que gang pile chalet commence à monter. Ah oui, gang négla c'est commencé c'est la mi-dor commence à acheter. Et ça, c'est ça. C'est quand pile Charles là qui a acheté
Gen ek tou ki bal komanse fan pil kap fek. Oh, madame monsieur, ou kon depi le, gen lis kap prepare nan peyi a. Ke se so pou vin minis, ou konen le bal gen chanjman de gouvernement. Toujou gen den lis kap sekule sou le rezo sosyo. Ou kon gen den ek ki fek kop nan lis sa yo. Oui. Gen den ek ki peye pou yo, fek pou pa gen mette nan non lis. Oui. E bi pou a fe, pou a pe, pou a fe wis sou rezo sosyo. E bi nan fe lis sa, madame monsieur, lis sa ou e la. Lis sa nou e la. Que la Chine, pays la Chine mandé pour madame Lalim voyer dans les Nations Unies, eh bien, m'a tourné avec information pour nous demain si de veut. Donc, allez, monsieur Matin Débat. Ouais, ici, c'est veillé, veillé nègre. Ok, en tout cas, chalet commence à monter, gede moun la, mais on commence à souhait. Oui, gede moun la commence à gagner diarrhée, gede moun la, m'baba nous menti, qui déjà planifié, qui j'en ka quitté pays, donc qui l'autre côté au calé. Bon, en tout cas, demain, d'après tout, sous question de ça, madame, monsieur, donc à l'émission Matin Débat. Pélé, pépé, pélé, pépé. Sans qu'on entende. En tout cas, on allez. Haïti Société. Le secteur privé des affaires, à travers plusieurs chambres de commerce, se positionne et se dit très préoccupé de la situation en Haïti et qualifie d'irresponsable le ministre des Affaires étrangères des cultes. Monsieur Jean-Victor Généus n'a traité pour ça avec le point qui dit Haïti en sécurité, panique à Belleville, les résidents de ce quartier, de ce quartier résidentiel s'organisent et se disent prêts à toute attaque. Ok. Et par contre, si nous remarquons, alors si on regarde le téléphone, on a pris que les gens ont élastique qui est belle parce que le saut tombé pendant l'oc là, il font des bons. Comprenez? Mbap di nou ki bon manje telefòn nan pou nou. Pou magasin, mbap fè di kredi. Lou kon silisye nan telefòn? Attendez, m silisye nan telefòn. Son elastik ki nan tèt la. Donc non, m'attendez pa pral bon bel telefòn. Non, mbay ou lèm telefòn. Non, m'attendez pa pral bon bel telefòn. An ale. Vous comprenez? An ale. OK. Cher Sébastien Kras, on pile telefòn. Ah oui, bien sûr. OK. An ale. Ça fait deuxième sortie que secteur privé a fait. Nous songez première sortie, hein? Première lettre, première position que tu prends. On lettre que vous adressé, on note que vous adressé donc à la presse et où t'es ouais qui est-ce qui te signale. OK? Où t'es ouais qui est-ce qui te signale. Ismaël vous premier lettre là pour moi. Où que lettre premier lettre là pour garder signature. Qui est-ce? Premier lettre secteur privé. OK, sur la crise haïtienne. N'a dit que tia Clairvaux. OK. Bonne fête de la part de son mari, okay. David. OK. Valessin, vous pour moi premier lettre là s'il vous plaît. Oui. C'est très important avant de rentrer dans l'analyse. Premier lettre secteur privé. Premier lettre secteur privé madame monsieur. Et puis regardez qui est-ce qui signe le premier lettre? Et ici, on a une émission de débat. L'un d'apanalyse sous l'ETSA, première, en fait, de première note du secteur privé sur la conjoncture haïtienne. Ça me dit. Moun ouè qui signe l'ETSA, c'est moi qui met le pays. Donc, ce n'est pas institution, non? Et c'est grave, oui, madame, monsieur. Ah oui, c'est grave. Ce n'est pas institution. C'est des individus, des personnalités qui a posé signature en bas en note. Bien entendu, chaque sorti dans le secteur, chaque représenté tel ou tel business, mais ce n'est pas institution. Gagnant et. Bon, non, aux Allemands. Okay. On allez. Madame, regardez, ça a été première note. Note communiquée, en fait, du secteur privé, madame, monsieur. Ok? Qui est-ce qui décide? Laurent Saint-Cyr. Laurent Saint-Cyr. Président, Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti. Très bien. CCIH. Très bien. Willem Lemke. Mm-hmm. Willem Lemke, qui est président de l'Association des industries d'Haïti, a dit. Très bien. Jean-Philippe Boisson, président Chambre américaine de commerce en Haïti, Amcham Haïti. Reina Forbin, mm-hmm. président de l'Association touristique d'Haïti, ATH. Michel Moura, président Chambre de commerce et d'industrie Canado haïtienne CCICH. Très bien. Ça c'est non mon ça qui te signe. Qui te signe première lettre là. Oui. Très bien. Non mais gien Didip. Non, gon l'autre lettre c'est Didip de signe. Non, ça c'est lettre qui se fait sorti là. Ah, ça fait ça. Non, ça c'est lettre 27 septembre. Oui, ça c'est 27 septembre. OK. Maintenant ça qui est sorti avant. Avant. Oui, parce que ça dit à la moun ça identifié. Pourquoi c'est qui est sorti avant quoi? Non, gien qui sorti avant. Bah c'est vrai le mot d'abri. Parce que l'important avant de continuer avec analyser madame monsieur. Ça c'est position chambre de commerce, ok? En fait, secteur privé qui exprimé à travers chambre de commerce. Yes. Et c'est Mounzao qui représentait en fait différentes chambres de commerce, parce qu'on avait IA, qui signale.
mais une première lettre, un premier communiqué, ou bien une note que le secteur privé a été envoyé. Et là-dedans, tu as un paquet d'entrepreneurs, tu as un paquet d'hommes d'affaires qui eux-mêmes t'ont signé personnellement. Il y en a d'ailleurs, c'est Eddie Dib, tu as un Bossan. Bossan t'a signé tout. Donc, voyez ça pour moi, d'abri. Voyez le bye-bye, Esaïe César. Avant de continuer, vous voyez ça l'important. C'est pour nous montrer aujourd'hui. Hein. Hypocrisie gagne dans le secteur privé, ça. Ah ouais? Hypocrisie gagne dans le secteur privé, ça. Permettez-moi de parler? Donc, non, l'important, où je venez, Esaïe? Moi, je vais parler, Ok, important. Donc, premier communiqué, après, c'est des individus. C'est des gens dans le secteur privé qui signal qui demande une information pour nous. Ou un politicien ici, c'est pas que l'autre m'a dit ça dans le débat que la politique est manipulée par l'économique. Ah ouais? Et je dois regarder la bataille qui gagne la souterrain, mis à part son bataille politique. Ok? Parce que je dis à la, c'est docteur Aylan qui était balade qui a délivré là. Pas la privée là, non, madame, monsieur? Aylan bien démarré, oui. Tout le monde est d'accord avec le docteur Aylan. Là-bas, là. Nèg dans le secteur privé, tu as mal pression pour le démonter. Justement. Ok, là-bas, là, c'est que tu es d'accord. Ok, il y a un secteur privé qui a embrassé à l'heure. Il était bien commencé, oui. Il vient qui est mal à dégénérer. Qui vient faire qu'on y a politique là. Ok, donc à goût avec lui. Mais bataille qui l'a soutenu, madame, monsieur, il y a également son bataille économique. Il y a également son bataille économique. Où est le leader politique ici? Moi, je ne vais pas nous mentir. Je ne sais pas si je suis leader, mais je ne suis pas leader. Je ne sais pas si je suis leader. Ok? Mais si je suis leader, je prie mon Dieu chaque jour. Chaque jour pour ne pas jamais changer. Pour ne pas jamais changer de position. Pour ne pas jamais arriver dans une situation où je vais virer la langue et changer de parole. Est-ce que vous avez aimé notre secteur privé? Mettez dehors. Avant de mettre le dehors, mettez la toute. Dans le leader politique, comme vous avez aimé? Ça, c'est là. Regardez, monsieur. Comment ça? Avant, monsieur Damio, mettez note là dehors. Premier note là. Avant, vous mettez le dehors, vous assurez que vous citez parle avec plusieurs leaders politiques. Pour les leaders politiques, parlez de Montéo. Comprenez bien, oui? Et de fait, leaders politiques, ça est content de toute la journée, ou te content de toute la journée, donc, sous des dossiers dans le pays. Est-ce que nous, j'entends nos leaders politiques, intervenir sous notre secteur privé? Bon, bien. Secteur privé à Angel, les chita avec les ils payent comme bio. Ils ont touché pour ça. Et c'est le gros désir qui a parlé dans le pays là. Et moi qui a parlé. Ok? Mais ça qu'il faut pas attendre, personne moune dans ce politique là, ok? Critiquer notre secteur privé, parler de notre secteur privé. Ouais, c'est ce qui est bon. Secteur privé ça, ok? Lui, la fait politique dans le pays. Ouais, c'est ce qui est bon. Même pour une note. Parce qu'elle connaît que le pays a un Jean Kéouel. Parce qu'elle connaît que le pays a un politique à Jean Kéouel, madame, monsieur. Ah oui, il a assuré à un Jean qui est politique. On a fait un babaye dès au matin. Je ne vais pas faire ça. Non. Je ne vais pas faire ça. Mais il y a des gens là tout. Ok, les gens qui ont dit, ah, mon frère, pas faire payer ça. Parce que c'est même les gens. Écoutez, et puis il y a des leaders politiques, madame, monsieur. Parlez secteur privé mal. Dans la radio, dans la télévision. Et puis regardez, pas occupé ou non? Ok? Mais mon note, secteur privé a mis deux en pays là. Ok? Il assure l'angel que le leader politique a dit l'argent, il paye juste pour faire mes bouchons, puis il va critiquer notre là. En tout cas, j'espère que nous venons notre première note là donc, dans un premier temps. Donc, et pour être capable de garder le monde qui alors, c'est deux notes. Oui, c'est deux. Et une c'est chambre de commerce. Qui sortit hier. Correct. Et puis, il y a une note qui était sortie avant. Je pense que ça a peut-être un mois. Ok, bon. On garde la deuxième note. Docteur Ariel Henry, Premier ministre, en ce bureau. Port-au-Prince le 27 septembre 2022. Monsieur le Premier ministre, les associations patronales signataires de la présente ont été sidérées en prenant connaissance du message officiel porté par le ministre des Affaires étrangères haïtien, Monsieur Généus, devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ce lundi 26 septembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères a dit hier, nous citons, « Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et
Le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. Fin de citation. Les conseils d'administration de la DIC, Association des industries d'Haïti, la AMCHAM, Chambre américaine de commerce en Haïti, l'ATH, Association touristique d'Haïti, la CCIH, Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et la CCIHC, Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, ont donc été profondément surpris par ces propos irresponsables tenus par le ministre Généus devant le Conseil de sécurité de l'ONU, car il ne reflète en aucun cas la réalité de la situation dans le pays. En effet, les associations patronales signataires supposent que le Premier ministre est bien informé des troubles sociopolitiques qui règnent à travers le pays. Alors, m'appelez sous déformé parce qu'on a un caractère anti-politique qui règne à travers le pays depuis le lundi 12 septembre dernier. Ces troubles ont systématiquement paralysé tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire national, causant la fermeture des entreprises, des écoles et même des bureaux étatiques, des scènes de pillage et d'incendie de stations d'essence, d'entreprises privées, de résidences privées, de sites d'organisations internationales et même d'institutions de l'État. Le blocage d'un grand nombre de rues par des barricades empêchant toute circulation de biens et de personnes. Le blocage effectif par les chefs de gang des terminaux à essence pour empêcher la libre distribution de ces produits stratégiques. Les mouvements violents de groupes de la population pour maintenir ce climat et les mouvements de manifestation populaire sont des faits qui décrivent la réalité de la vie haïtienne actuelle. Il est un fait que la PNH, malgré ses moyens limités, a tenté par des actions ponctuelles de rétablir l'ordre. Cependant, il est également un fait qu'en aucun cas, nous ne pouvons parler aujourd'hui d'une situation sous contrôle. Lorsque les activités demeurent paralysées, lorsque le pays est en grève, lorsqu'il est impossible de s'approvisionner en carburant sur toute l'étendue du territoire, lorsque plusieurs hôpitaux ferment leurs portes, lorsque des kidnappings et viols sont des faits courants, lorsque l'accès au département du Grand Sud et du Grand Nord est impossible, lorsque des milliers d'Haïtiens demeurent déplacés de leur résidence par les gangs armés, lorsque les Haïtiens survivent de la peur. Nous ne pouvons qu'imaginer que le ministre des Affaires étrangères, étant peut-être étranger aux affaires locales, a dû être mal informé en affirmant au Conseil de sécurité de l'ONU que la situation est sous contrôle. Cependant, vu les conséquences d'une telle déclaration, les associations patronales estiment qu'il est du devoir du gouvernement de remédier rapidement à cet impair diplomatique en offrant un nouveau message officiel, véridique, au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'informer de la réalité sur le territoire. Nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche et saurez prendre les actions appropriées pour rétablir la vérité, la crédibilité et l'image du gouvernement haïtien. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations participées, nos salutations patriotiques et copie conforme secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Laurent Saint-Cyr, président Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Madame Raina Fomin, président Association touristique d'Haïti, Monsieur Willem Lemke, président Association des industries d'Haïti, Madame Michel Moura, président Chambre de commerce et d'industrie canado-haïtienne, et puis Monsieur Jean-Philippe Boisson, président Chambre américaine de commerce en Haïti, AMCHAM Haïti. Alors, ok. Nous connaissons. Et ça, on regarde là, Port-au-Prince le 24 septembre 2022. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, alors d'industrie de l'Ouest, CCIO, est préoccupée. Ça fait deux notes, Ok, ça note ça sorti. Très important, madame, monsieur. Note ça qui sorti le 24. Note ça sorti, écoutez, madame, monsieur. Ça, très important.
Notre ça sorti le 24. Yes. Ça me sorti dit là sorti le 27. On nous lit notre 24 là ça. Nous pas bien lire. OK. On voit un nom. Correct. On allait pour son nom. On lit conclusion et bien